Bon bah ça fait bien une semaine que j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait une petite pause du coup avec mes parents, j'ai préféré pas filmer. Là du coup il fait combien? Selon mon thermomètre 6,3 et non pas 63. Faut qu'il caille bien sa race là. Et du coup là je reste sur l'île de Skye, je vais refaire 2-3 trucs que j'ai fait avec mes parents. Là on fait du coup Old Man of Stor aujourd'hui, qui est un peu l'attraction connue de l'Écosse, et on y est pour le lever de soleil. Voilà, parce que le lever de soleil il est à 8h, là il est 7h50. Donc voilà, donc là je vais me dépêcher un peu, je vais m'habiller, puis hop quoi, on y va. Le matin que ça fait même pas petit déjeuner. C'est pas facile pour moi. Et on va là-bas. Je me suis bien équipé contre le froid, donc c'est pas un problème. En tout cas avec mes parents c'était super. Là je vais rester 3-4 jours sur l'île de Skye. Ah, et cet après-midi en plus là on va sur une plage où tu peux voir des traces de dinosaures à marée basse. Parce qu'avec les parents on y était à marée haute, donc on les a pas vus. On monte face à ça, c'est quand même assez sympa. Ce chemin c'est assez touristique, donc le chemin il est très très bien fait. Très bonne note pour le chemin. Et à cette heure-là, il n'y a pas grand monde. Ça c'est cool. J'ai bien fait de toute façon. Tu verras, c'est incroyable. C'est le terme, incroyable. Là il doit bien faire froid, hein. Je le sens, donc on va essayer de droner ou pas? On peut essayer de droner, hein. T'as l'arrivée du soleil, il fait du bien là. Franchement, on est bien. Par contre je vous dis, la chapka elle est bien. On a vu Old Man of Stor, très beau lever de soleil. Il y a mes potes qui m'ont appelé, donc j'ai pas trop filmé la suite. Ma GoPro, bah évidemment, elle a plus de batterie. Elle est passée de 83 à 0. Du coup, là, on se dirige vers une petite plage, bonsoir, où on peut voir normalement des traces de dinosaures. C'est des empreintes de pas en fait, hein. Vieilles de 170 millions d'années. C'est pas mal. Moi, je serais plus là dans 170 millions d'années. Mes vidéos, elles sont peut-être toujours là si la Terre explose pas. Bon, allez, bah on se retrouve en bas sur la marée. La marée chaussée, comme dirait Loris. Alors c'est parti, on va chercher. Là il peut y avoir des traces de dinosaures là. Parce que sur internet ils mettent celle-là comme trace de dinosaures. Et là ça n'y ressemble pas là. En vrai ça ressemble un peu. Allez on s'en va. Oh bah ça. Besoin. Tac tac tac. Ça s'en est belle là. Ah, c'est fort possible que ce soit une, ça. Waouh, 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 waouh. L'eau, elle arrive. Putain. Ok, bah je pense que c'en est une. Bon, bah on a vu... pas ce qu'on voulait, mais on a vu. Je sais pas si c'était une trace de dinosaure. Là, on va aller à un endroit où je suis presque sûr d'en voir normalement. Bon, et là, on va aller voir normalement la plus évidente. Pour moi, c'est celle-là la plus évidente. Avec les trois trucs. Bon bah là c'est parti, on va à Kuireng. On avait déjà fait la rando avec mes parents du coup. Donc là j'en fais une autre qui amène au même point. Mais comme ça au moins je change un peu de décor. Et puis là c'est pas mal. Oh, pom, ça a l'air de monter là quand même, hein. Flemme un peu, non? Eh, on en fait des trucs aujourd'hui là. Comme ça au moins l'île de Skye après c'est fini. Enfin non, j'ai encore d'autres trucs à faire. Mais je veux pas repasser une semaine sur l'île de Skye, tu vois. J'ai déjà passé une semaine. Si je pouvais passer encore 2-3 jours. Là faut que je me trouve un bon spot pour dormir. Et puis... Ouh, le petit soleil, le petit ciel bleu. Ça me régale ça. Qu'est-ce que je dis? Allez, petite boîte pour dormir, mais. Et puis du coup, va falloir que une fois que je passe l'île de Skye, faut que je réserve mon billet de bateau pour aller en Irlande du Nord.
direction Belfast. Parce qu'on va les foutre à Belfast. C'est quand même le nom du projet. Hein. Et attends, mais là, ici, je peux me baigner, ça se trouve, si je dors là. Ouais, ça va, non. Hein, il fait 1 degré, là. Pas me baigner, là, en fait. Pourquoi je dis ça. Et je parle, et je parle. Allez, on se retrouve là-haut avec un petit plan de drone, certainement, je pense. Notre endroit pour ce soir. J'ai mis du chauffage cette nuit. Ouais. Il faisait 8,7 là, c'est monté à 11,8, c'est pas mal. Très bien, c'est cool. Allez, salut. Bien le bonjour. On a bien rangé le camping-car ce matin. On a fait la vaisselle, on a voilà, donc on a pris bien notre temps là ce matin, tranquille là, pas pressé. Bon, du coup là ce qu'on fait, on refait un truc que j'ai déjà fait. Saint Columba's Isle, qui est une île qui servait de cimetière en fait, c'est un cimetière. Saint Columba's Isle. Et en fait, il y a des tombes qui sont en forme de chevalier, tu vois. Bon, déjà, on rentre sur l'île. Un petit pont. Hop, hop, hop. On avance. Et paf! C'est hyper stylé quand même, non? Bah, donc, allez, on va aller voir la deuxième directe. Mais tu vois, t'as plein de trucs comme ça. Bah attends, c'est avec des champions carrément. Ah non, c'est l'Euro. Ça devait être bah du coup certainement un grand joueur de l'Écosse lors de l'Euro Euro 2004. Hein. J'imagine. Je vois que ça comme solution. Donc, on va voir la deuxième. Là, on a accès là-dedans. Petit cabanon. Et hop. Donc là, on peut voir le deuxième. En bien moins bon état que le premier. On va à Dunbeg-Brock. Traverse la route. Vite, vite, vite. Là on la voit un petit peu, c'est pas l'attraction de la journée, hein. Qu'on soit clair. Donc faut s'imaginer que c'était un truc qui montait très haut. Donc voilà, eux, c'est comme ça qu'ils imaginent à quoi ça ressemblait avec le double mur ici. Après ces deux lieux plus ou moins historiques, le Brock et la tombe, on va finir la journée tranquille sur une petite plage de Talisker Bay qui a l'air ma foi très jolie. Bon, on y est arrivé. Oh, un beau coucher de soleil rien que pour nous là. Que du régal. Ah, elle est vraiment belle cette baie là. Ouais. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Moi, j'ai bien aimé la faire. En tout cas, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Salut! Aujourd'hui, on va faire un bivouac sur une plage.